La réception du colis, oui. Colis assemblé avec plusieurs achats en un seul lot. Et l'état de réception. Voici la figurine de 10 euros. King of Artists, 0 Renoir, 0. Donc, la boîte est complètement abîmée. Ce qui est bien avec Temu, c'est l'envoi avec la boîte d'origine des figurines qu'on achète. Et par contre, l'emballage de transport, c'est presque pareil que chez AliExpress. Mais au moins, il a un design de Temu, du site de Temu. Site commercial. Donc, la boîte qui est complètement abîmée, mais bon. On a vu aussi que la figurine est cassée aussi. Voilà. Dès que je sors de la boîte, je vois tout de suite. C'est la mèche de cheveux. La mèche de cheveux de Zorro qui est cassée. Tirer tout simplement. Donc voilà. Il est où? Là, c'est au sommet. C'est le sommet de la tête qui est cassé. Donc il a une culotte quand même, blanche là. Donc ça c'est pour maintenir sur le support pour le mettre debout. Les deux bouchons. Donc voilà ce qu'il y a. Un sachet de protection en plastique en plus de la boîte que normalement chez Ali on retire tout normalement. Voici la mèche de cheveux qui est cassée. Ah non, c'est pas cassé. Si, c'est cassé. Mais on peut le poser tout simplement dessus. Bon, ça va. Sans colle, on peut le faire, mais je vais mettre la colle forte. On dirait du durian, le fruit. Les pics des cheveux. Il me faut le socle pour le faire tenir. Donc, on va voir. Voilà. Le trou est plus large ici. Ici, plus petite. Donc, plus large. Plus petit légèrement afin de ne pas tromper de sens. Il faut pousser un peu pour le faire rentrer. Voilà, donc c'est super stable. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh! Ah non. Bon. Trois fourreaux. On fait comment? Les fourreaux. Je regarde la boîte. Le fourreau se trouve ici. Donc, on va l'insérer. Les fourreaux.
Ici et ici, ici, mais voilà, ici, comment elle tient? Il y a un truc pour faire tenir ou ah, il y a la tête qui est partie. Ça tient pas vraiment. Ah, c'est sur la cuisse. Une petite crevasse à l'intérieur de la cuisse. Et moi, j'essaie de faire tenir avec le tissu. Mais en fait, il faut l'insérer cette partie. Dans la petite crevasse qui est dans la cuisse arrière de la figurine. Voilà. Ça tient bien en plus. Les sabres. On va essayer de mettre ces trois sabres. Ça, c'est bien fait. Donc, la blanche, c'est celle-là qui est dans la gueule, normalement. Il a la bouche ouverte. Il y a une seule tête. On ne peut pas le changer, du coup. Avec la bouche ouverte afin de mettre le poignard. Ah, ça tient très bien. Après, il y a deux. Ça, il y a bleu. Les deux sont bleus. Bleu noir. Du coup, on peut mettre n'importe laquelle normalement. D'accord. C'est assez bien fait. Sauf celui-là, qui est un peu sa bouche, un peu trop. Changer pour voir. Par contre, ici c'est un peu trop serré, mais c'est très bien. Donc, on va mettre l'autre. Ah ouais, c'est un peu mieux. Lui, ça. Celui-là est un peu trop petite au niveau diamètre. Du coup, ça bouge trop. J'ai cassé aussi. Du coup, c'est pas cassé. Il faut le, en fait, il faut le poser. Oui, c'est ça. C'est pas cassé. C'est, il faut poser. Là, j'ai encore la flamme du sabre. Sabre noir, c'est lui normalement qui est ici. Voilà. Du coup, cette figurine est assez bien. La stabilité est à 100%. Du coup, j'ai pas tout allé au fond. Voilà. Katana. Blanc, celui-là. C'est gris la couleur. Ici, c'est gris, c'est pas blanc. La blessure, la cicatrice. Oh, c'est bien fait.
C'est bien fait. Il est vraiment bon, la figuine là. Par contre, il est plus petit que lui. Je crois qu'il fait dans les 16 ou 18 cm. On va ouvrir le sachet, le dernier sachet. Des flammes violettes pour le katana ou les katanas. Il y en a trois en tout. Comment ça se fait? Donc, c'est pour mettre des flammes autour du katana et celui-là qui commence à partir n'importe où. On va juste poser comme ça. Un pour chaque sabre. Donc c'est du silicone souple, très souple. C'est très agréable au toucher. Et donc celui-là c'est pour la bouche. C'est comme ça, hein, je crois. Et là, il y a un petit truc qui dépasse légèrement sur la poignée du sabre. C'est pour insérer dans les, la bouche, la mâchoire de Zoro afin de faire tenir debout. Voilà, insérer ici, le sabre. Voilà. Je l'ai pas mis dans, voilà, là, c'est bon. Et là, on va mettre la flamme et les cheveux qui tombaient, la mèche, la grosse touffe de mèche qui est tombée. Voilà. Et le dernier. C'est magnifique. C'est réussi, celui-là. Juste un bras imprégné de d'acquis.